Ah, que ça fait du bien de vous retrouver. Non, je rigole. Allez, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'aujourd'hui vous pétez la forme. Bon, moi, c'est pas le cas. Non, je rigole. Aujourd'hui, je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo et tout simplement, je tenais à vous parler. Je me suis déjà fait une clope tout à l'heure, mais je voulais vous en faire une. Un peu faire un peu comme Quentin quand il fait sa chaîne, débute par une chicha. Je vais vous faire avec la cigarette électronique. Mais au final, j'avais pas la foi de fumer une cigarette électronique. Je voulais surtout tester mes nouveaux filtres. Donc je voulais vous tenir au courant de la situation qu'il y a actuellement. Je suis plus trop sur YouTube, il faut savoir que j'ai une formation. Ah, j'ai une formation et j'ai pas été à la même formation actuellement. C'est-à-dire que j'ai pas été au même centre. Je voulais tout simplement remercier tous ceux qui se mobilisent à mettre des commentaires, ça m'a touché au fin fond du cœur. Je pense que vous le saviez déjà. Et que, ouais, justement, ça me touche du fin fond du cœur. Pas mal de j'aime, pas mal de vues, pas mal de courage qu'on a pu faire dans des vidéos. Et franchement, c'est énorme. Y a rien à dire, l'aventure continue. Pour moi, YouTube, c'est pas un métier parce que mon prof de formation, qui j'étais actuellement, avait dit que c'était un travail. Mais pour moi, ce n'est pas un travail, ce n'est tout simplement qu'un petit loisir à vous partager pendant les vacances. Enfin. Pas ces vacances-là, mais pendant les Noëls, pendant des fêtes, à des moments partagés, t'as des choses comme ça. Ou parfois je peux faire des tests, tu vois. Donc, on a eu la dernière résumé de vidéo que j'avais fait journal de bord 1 et 2. J'avais fait un test de cigarette électronique classique. Et nous allons arriver au test électronique. Pas classique, mais goût pomme. Moi, le seul bémol que je vous dis, c'est que j'ai oublié de le préciser, c'est de la Camelot, la cigarette électronique. On vapote, c'est sûr. Bon, là, c'est la nouvelle. Ça a un goût de craie. Voilà, ça a un goût de craie. J'ai l'impression de respirer et de fumer de la craie. Après, est-ce qu'il y a trop de nicotine? J'en sais rien du tout. Vous allez dire, ouais, mais t'es toujours sur ta clope. T'as vu, j'ai dépensé combien aujourd'hui? Recordman, 27 euros. Alors que j'ai pris 30 euros, tu vois, j'ai bien fait parce que j'ai acheté des filtres, j'ai acheté une tubeuse. Alors à feu, je lui ai demandé une tubeuse normale parce que ma tubeuse elle les fait mal. Et elle me donne une tubeuse normale, enfin à feuille. Bref, je vais passer quand même le code et je vais acheter ça plus tard. Donc en tout cas, je vais vous poster cette vidéo là dès ce soir. Je suis vraiment désolé de mon absence. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous plaise. Un maximum de pouces bleus, un maximum de vues, un maximum de tout ce que vous voulez. Toujours de la bonne volonté, tout ce que je vous demande. Et je vais aller me faire un petit café. Donc toujours de la bonne volonté, toujours de la joie, toujours de la bonne humeur. Tout ce que je vous demande. Et après, on verra pour la suite des aventures qui pourraient suivre. Voilà. Ne croyez pas que je suis en train d'abandonner YouTube ou quoi que ce soit, non, parce que voilà. Est-ce que je vous montre en ce moment ce que je suis en train de faire? Alors, j'ai acheté des graines. Je pense que c'est en train d'évoluer. Et je sais pas si on le voit de dehors. Regardez-moi ça, la belle plante. Elle est magnifique. Et je l'entretiens tous les jours. Faut savoir que moi, les plantes, ça fait deux. Elle dit, ouais, mais pourquoi t'as pas fait horticulture? Parce qu'horticulture, c'est pas ma base. J'ai déjà fait de la plantation, enfin du jardinage collectif. Mais c'est pas ce que je souhaite à faire. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, parce que j'en avais parlé dans, dans des anciennes vidéos, je pense. Tous ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'en est du chauffeur poids lourd. Ça va évoluer d'ici 2 ans, 3 ans. Et d'ici 2-3 ans, je passe mon permis B, donc P, B et KSS. Et on compte encore 2 ans et je suis plus en France. Ah, il y en a, je pense que vous n'êtes pas posé la question où je vais aller. Je suis en train de former un projet, c'est de partir en Italie, quitter la France. Parce que je trouve que la France, c'est la merde. Et qu'en Italie, on a une plus belle vie. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être pareil. Non, non. Là-bas, il y a moins de pollution, là-bas, il fait plus beau, là-bas, il y a plus de soleil, et la vie est meilleure. Voilà, c'était la fin de cette vidéo-là, j'espère que vous avez aimé. Un maximum de pouces bleus, la prochaine vidéo sera sur les tests de cigarettes électroniques. Je vous poste la vidéo test ce soir, je crois que j'ai assez dit, voilà. On se retrouve ce soir, non, on se retrouve peut-être ce week-end, normalement, samedi.
pour un nouveau test de cigarette électronique et Goopum. Voilà, sur ce, c'était tout pour moi. Mettez un max de pouces bleus, un maximum de partage. Abonnez-vous si vous voulez. Et je vous dis à très vite sur ce. Ciao.